sommes sur la route 66. Voilà, un voyage que je rêvais de faire depuis 1990. Donc là, ça y est, c'est concrétisé. Là, je suis aux États-Unis, sur une petite concession sur la route 66. Alors, on va essayer de faire un périple d'une quinzaine de jours. Grand Canyon, Monument Valley, Yellowstone. Et un peu de la 66 ce matin. Voilà. Voilà un cliché de la route 66. Hein. Alors là, cet instant précis, j'ai une pensée particulière à quelqu'un qui est là-haut. Un ami à moi, un fan des États-Unis, un fan des grosses voitures américaines, qui n'a hélas pas vécu assez longtemps pour pouvoir venir le découvrir par lui-même.
Là, je vous présente la moto qui m'a été louée. Bon, voilà, je réalise vraiment là. J'y suis sur la route 66. Alors là, j'ai une petite pensée pour mon ami Ghost Rider. Alors, mon ami Ghost Biker là-bas de Sedan, dans les Ardennes. Ton ami Marco est venu sur la route 66 et il pense à toi. Allez, gros bisous mon ami, tu verras bientôt ça sur YouTube. Voilà, ça y est, je suis sur la route 66. Hein. Alors c'est comment, si c'est le dernier, c'est Delgado, c'est ça? Ah, le... Ouais, voilà, c'est donc c'est le fondateur, celui qui a re... qui fait partie de l'association pour la remise en valeur de la route 66. C'est un petit coup, là. Non, non, c'est pas la peine. Alors c'est Martine dans son sport favori, le shopping. Et là t'as Daddy dans sa musculature parfaite. Promenade sur la route 66 continue, la pluie s'en mêle un peu, mais enfin bon, ça va. Hein, à l'horizon, il y a des éclaircies. Donc pour tout à l'heure, là, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, à mon ami Biker Ghost, là. Hein, écoute, mec, c'est époustouflant. Hein. Tu verrais les voitures, les bécanes, c'est merveilleux. Quoi. On en prend plein les mirettes, les espaces, c'est immense. Je peux pas filmer partout parce que j'ai peur de tomber en panne de carte mémoire et de batterie. Mais enfin, je vais essayer de faire un maximum là, on va aller bouffer un morceau et puis après on va aller visiter cette ville. Allez, salut, à plus.